Avoir parmi nous ce soir. Je suis profondément émue et vraiment ravie de vous compter avec nous. Je vois toute la force et l'énergie des gens convaincus comme je le suis et je tiens tout d'abord à vous dire merci. Merci pour votre présence parce que au-delà du fait qu'elle me fasse chaud au cœur, elle est pour moi un signe fort que les choses avancent, que nous sommes tous là présents pour aller de l'avant ensemble. Lorsque pour la première fois je me suis engagée en politique, il y a de ça quelques années, je me suis engagée parce que je crois profondément à la justice sociale. J'ai par la suite, donc en arrivant au Canada, au Québec, rejoint les rangs du NPD avec comme chef, donc Jack Layton. Et j'ai rejoint les rangs du NPD parce que je partageais les mêmes valeurs. Ces valeurs de justice sociale, ces valeurs qui font que les familles sont prises en compte, ces valeurs qui font qu'on pense à un plan pour donner des emplois aux personnes qui sont sur le chômage, donner des bons emplois à nos citoyens. Ces valeurs qui font que les aînés aussi soient pris en compte et en considération. Comme l'a évoqué Thomas, donc notre chef, dans plusieurs de ses annonces, notre programme va concerner bien sûr les PME. Les PME pour les créations d'emplois, les PME pour l'innovation, les PME et le secteur manufacturier, parce qu'on le sait, sont les premiers pourvoyeurs d'emplois. On compte 80% tout de même des emplois créés par les PME qui font que, oui, les familles, les hommes et des femmes qui souhaitent continuer de travailler, des hommes et des femmes qui tombent au chômage, pourront avoir devant eux un avenir positif, un avenir pour leurs enfants parce qu'ils pourront retrouver des emplois de bonne qualité. Nous avons aussi pensé aux services à nos communautés. Je pense principalement à un dossier fort sur lequel on a travaillé énormément, Post-Canada. Ça vous dit quelque chose? On a eu de cesse d'être sur le terrain. On a eu de cesse d'aller informer nos citoyens de ce qui était en train de se passer. Et au-delà du fait qu'on a informé nos citoyens, on a eu de cesse également d'être là, de se lever en chambre et de dire stop à ce gouvernement qui souhaite toujours d'ailleurs mettre fin au service du courrier à domicile. Bien évidemment, un prochain gouvernement du NPD remettra ce service en ordre. Nous avons d'autres engagements et un engagement qui concerne nos aînés. J'ai sillonné pendant 4 ans en tant que députée mon comté, vraiment de la façon la plus large possible. Et j'ai rencontré des aînés. Et j'ai rencontré des aînés qui étaient vraiment dans la pauvreté. Des aînés qui avaient à peine de quoi survivre. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on se le dise. Et pour ces aînés, l'engagement qui a été pris, c'est de pouvoir rehausser les prestations donc pour les aînés. Et aussi de rehausser donc le supplément revenu garanti pour les aînés, pour qu'ils puissent vivre dans la dignité. C'est un de nos engagements et c'est un de nos engagements que nous allons mettre de l'avant
dans les premiers mois de notre gouvernement. Un autre dossier sur lequel on a énormément travaillé, c'est aussi notre diffuseur. Notre diffuseur, Pierre, est-ce qu'il est là ? Ah, il est parti. Donc Radio-Canada. Il est clair que dans un pays grand comme le nôtre, il y a des minorités francophones ailleurs qu'au Québec. Et ces minorités, avec les coupures donc prévues par le gouvernement Harper, vont perdre justement notre diffuseur. Il est clair que notre engagement, c'est de pouvoir redéployer à nouveau le financement pour maintenir en vie ce diffuseur essentiel, essentiel pour faire en sorte que le fait francophone perdure et vraiment puisse continuer aussi en dehors du Québec. Bravo. Bravo. Pour mener une campagne, il faut être motivé et il faut être entouré de personnes dévouées, de personnes qui sont convaincues comme vous et même peut-être encore plus que vous. C'est ça qui vous maintient, c'est ça qui fait que véritablement, même quand vous êtes essoufflé, vous repartez, vous reprenez votre bâton de pèlerin pour pouvoir avancer et pouvoir faire en sorte que oui, des changements véritables puisse advenir après le 19 octobre prochain. Je veux parler donc de ces personnes qui m'entourent, qui est mon équipe de campagne, pour commencer. Je vais les appeler les uns après les autres qui vont venir. Charles. Julien. Pierre. Équipe de campagne, mais aussi, devinez quoi, des bénévoles. Yes. Ouais, mais conjoint, il est bénévole. Enfin, lui, c'est d'office. On n'a pas le forcé. Donc oui, une équipe de bénévoles. Une équipe de bénévoles dévouée aussi. Une équipe de bénévoles qui croit en vous, qui croit en la politique du NPD et qui croit en cette vision où vraiment tous les citoyens seront pris en considération et personne ne sera laissé pour compte. Je ne vais pas parler de tous les bénévoles, il y en a trop aujourd'hui. Jack, en 2011, a commencé un travail. Il a impulsé cette vague orange. Cette vague orange, moi que j'ai envie de nommer cette vague d'espoir, d'amour et d'optimisme. A repris le flambeau. Thomas a repris le flambeau pour mener à bien ce travail qu'a enclenché Jack. Pour moi, c'est un honneur, vraiment, de faire partie de ce parti NPD auquel je crois et un parti du véritable changement. Parce que, oui, c'est le NPD qui incarne le vrai changement. Le vrai changement, quand on en parle, on se dit, mais qu'est-ce que c'est, franchement, le vrai changement ? Il y en a certains qui en parlent, là, mais tu parles, c'est des vieux partis, on le sait. Alors, vieux partis qui parlent du changement, là, à mon avis, il y a une fausse note, là. Par contre, nouveau parti démocratique, oui, nous incarnons ce véritable changement, et c'est tous ensemble, c'est avec vous, c'est avec votre aide, c'est avec votre mobilisation, qu'on va pouvoir écrire une page d'histoire. Une page d'histoire qui va faire en sorte que le 19 octobre prochain, nous formions le premier gouvernement du nouveau Parti démocratique. À la tête, comme premier ministre, Thomas Mulcair. Oui.
Donc je reviens. Vous présentez, si vous ne les avez pas encore rencontrés. Donc les candidats. Wang. Venez. La gang NPD. Wang. Donc dans Brossard, c'est Lambert. Ouais. Parce qu'avant, capable de dire correctement. C'est la circonscription la plus compliquée. Ben, tu vas m'aider, là? Pierre Boucher. Pierre Boucher. Les Patriotes. Verchères. Verchères. Oh!